Comment vas-tu? Ah, oh, ça fait longtemps qu'on s'est vu. Ça fait longtemps, hein? Ça fait des années. À cause de la COVID. Covid a tout La gâché. COVID a toujours, c'est la COVID qui a toujours mauvais dos. Ça a séparé bien du monde. Tu peux rentrer? Et oui, rentre, arrive, arrive. Viens t'asseoir, fais comme chez toi. On a tellement de choses à se dire. Monsieur de Toronto. Bonjour, mesdames et Bonjour. messieurs. Mon nom est Ulysse. Je suis content d'être avec vous aujourd'hui. Thank you for tuning in. My name is Ulysse. So today, I have a special guest for you. J'ai un invité très, très, très spécial, très cher à mon cœur, Dr. Yvette Bonny. Bonjour tout le monde. Good morning, everybody. That's good, that's good. Bon, est-ce que tu peux t'introduire aux gens, dire non, vous êtes qui? Et on va avoir une conversation, puis on va laisser les gens comprendre qui est Dr. Yvette. Quels sont nos liens? Ouais. Alors, moi, mon nom, c'est Yvette Bonny. Je suis née en Haïti. Et puis, j'ai fait mes études de médecine en Haïti et j'ai laissé Haïti en 1962 pour venir au Canada après mes études de médecine. Et alors, pour parler de moi, j'ai fait des stages en pédiatrie à Sainte-Justine, hématologie à Sainte-Justine, Maisonneuve et à Paris, et avec un diplôme de pédiatre et d'hématologue, je me suis inscrite et j'ai travaillé à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont pendant 44 ans. Est-ce que vous avez fait le va-et-vient entre Montréal et Haïti au début de votre carrière? Non, au début, quand j'ai laissé Haïti à cause des problèmes politiques d'Haïti, et puis de mes études aussi, j'avais pas beaucoup de temps, pas beaucoup de vacances. Alors, je suis resté peut-être 9 ans sans retourner en Haïti. La famille venait de temps en temps m'apporter les nouvelles, comment allait le pays, parce que à ce stade, je pensais toujours retourner en Haïti parce que la mortalité infantile était très élevée en Haïti. Les gens mouraient de malnutrition, d'infection, en tout cas, des maladies de base, les enfants. Oui. Il y avait 33% de mortalité. Alors, mon but, c'était toujours de retourner en Haïti, mais tout s'est détérioré en Haïti au point de vue politique, économique. La famille a préféré. Elle m'a convaincu, elle a préféré que je reste ici, elle m'a convaincu et ils sont petit à petit venus me rejoindre. Alors je suis retourné en Haïti, les parents étaient encore en Haïti, je suis retourné 9 ans après, c'était mon premier retour. Après, là j'avais terminé mes études, donc j'avais du temps pour aller en vacances et profiter et revoir Haïti. En fin des années 70? Dans les années 70, début des années 62, 61, donc début des années 70, parce que j'étais encore fille, je me suis mariée en 73, donc c'était entre mes diplômes, 69, 70, et mon mariage, je suis retournée en Haïti. Et après, avec mon mari, on est retourné 9 fois. Parce que lui, il adorait, c'est un Canadien qui adorait Haïti, qui n'avait jamais laissé le Québec, qui avait été en Europe et au Canada. Il avait beaucoup voyagé au Canada. C'était la première fois qu'il allait dans les îles. C'était un coup de cœur. Ok, c'est bien ça. C'est bien. Pas seulement pour la femme, pour le pays. Ouais. En tout cas, pour moi, la manière que je vous ai rencontré, c'est que mes parents, ma mère a eu 5 enfants. 4 des 5 enfants ont une anémie falciforme et vous avez été la personne qui m'a diagnostiqué d'anémie falciforme à l'âge de 2 ans. Puis depuis ce temps-là, ben, après ça on est revenu parce que je suis né à Toronto, j'ai passé un petit peu de temps à Montréal, après ça on a été en Haïti, après ça on est revenu à Montréal. Puis quand je suis né à Toronto, quand j'étais plus jeune, j'avais toujours des crises, mais sauf que à chaque fois que ma mère m'amenait à l'hôpital, elle ne savait pas qu'est-ce que j'avais. Puis c'est quand ma mère vous a rencontré que vous avez fait le diagnostic que j'avais la même falciforme. Puis depuis ce temps-là, vous êtes resté mon docteur comme une deuxième maman. Exact. Puis vous avez vraiment pris bien soin de moi. Puis dans mon enfance, en grandissant comme la même falciforme, aller à l'hôpital, etc., pour moi c'était. C'était comme l'hôpital était ma deuxième maison. Ça faisait partie de ta vie. Oui, c'est ça, mais malheureusement. J'avais vraiment. J'étais bien encadré, j'avais des bons soins. Puis il y a quelque chose que vous avez fait qui m'a marqué.
tu avais à peu près 10 ans, puis vous étiez venu dans ma chambre, puis tu m'as demandé est-ce que je pourrais être un de tes patients pour démontrer aux autres docteurs c'est quoi l'anémie falciforme, comment ça se présente, un enfant qui a l'anémie falciforme, c'est, you know, les signes, etc., etc. Puis on m'a mis devant les autres médecins, puis on parlait de tout ça. Puis tu m'avais dit que tu avais demandé à d'autres patients, puis ils ne voulaient pas être dit, pourquoi pas toi? Puis ça m'est toujours resté en mémoire que même si j'ai l'anémie falciforme, ça ne veut pas dire que je ne suis pas capable de faire d'autres choses, je ne suis pas capable tu peux être un genre de porte-parole pour déjà, avancer déjà la cause. Déjà à 10 ans. Puis à cause de ça, vous m'avez inculqué ce que je veux dire. Vous avez planté cette graine qui a fait en sorte que à l'âge de, je pense j'avais 14 ans, j'ai été introduit à l'association d'anémie falciforme du Canada. À l'époque, ça s'appelait The Canadian Sickle Cell Society. Avec la fondatrice, c'était Miss Loretta Cadogan. C'est ça que j'ai puis, ouais, je l'ai rencontrée à l'âge de 14 ans. J'étais devenu impliqué avec l'association à l'époque. À l'âge de 16 ans, j'ai participé à un camp qu'ils avaient fait aux États-Unis. Puis à l'âge de 18 ans, j'étais devenu membre du conseil d'administration de Canadian Sickle Cell l'association canadienne de l'anémie falciforme du Canada à l'époque. Ouais. Puis, mais depuis ce temps-là, je suis toujours un porte-parole, un advocate. Puis j'essaie de sensibiliser les gens à c'est quoi l'anémie falciforme, etc. Mais j'aimerais ça que vous me parlez un peu de vous. Aujourd'hui, par rapport à l'anémie falciforme. Par exemple, votre parcours. Vous êtes parti de d'Haïti, vous avez été à Paris, vous avez été à Montréal. En tant que femme noire, dans un milieu prédominamment masculin à l'époque, comment vous avez fait votre place? Comment vous êtes quelqu'un de très réputé, très, très respecté. Comment vous avez fait ça? Ça a été comment pour vous? Alors, je vais parler de deux choses. On va commencer par parler de toi. Tu étais un peu le chouchou quoi, et Ulysse à cause de son tempérament, de sa douceur et de son... Et c'était le gars bien élevé, souriant malgré sa maladie, était devenu le chouchou peut-être de son docteur, sans doute, mais surtout du personnel. Les infirmières, Ulysse était plus que leur fils. Alors c'est surtout à ce moment-là. Et Ulysse ne parlait pas beaucoup, mais... Il avait accepté la maladie et la maladie n'était pas un handicap pour toi. C'était comme un quelque chose sur laquelle un tremplin. Tu te servais de la maladie, pas pour te valoriser toi, mais pour aider les autres et porter. Tu étais comme le porte-parole déjà à cet âge-là, 9, 10, 14 ans de l'anémie falciforme. Mais je pense que maintenant, il a atteint cette espèce de... Il fait l'exploit de rendre l'anémie falciforme compréhensible et abordable aux autres. Alors, commençons par, avant de parler de moi, on va parler de l'anémie falciforme. Moi, quand j'ai terminé mes études, quand j'ai étudié en Haïti, après des années, l'anémie falciforme, dans un textbook d'à peu près 300-400 pages, il y avait un paragraphe de 5 lignes, même pas sur toute la largeur, sur la moitié. Alors, quand je suis arrivé ici, c'était une maladie de noir, ce qui n'est pas vrai. Deuxièmement, c'est votre maladie, c'est la maladie de ton monde. Alors, il y avait plusieurs explications à donner. Comme Ulysse disait, d'abord aux médecins. Les médecins savaient que ça existait. Dans les anémies, il y avait une dernière anémie en bas, dans la dernière ligne, c'était l'anémie falciforme. Et personne n'en avait vu. Personne, ils en avaient vu, mais ils ne savaient pas que c'était l'anémie falciforme. Et comme c'est une maladie qui donne beaucoup de douleurs, les gens se posaient toujours la question, est-ce que c'est vrai qu'ils sont souffrants ou bien ils font semblant pour avoir des sédatifs, pour avoir de la morphine. Alors ça a été un premier préjugé à détruire. Ceci chez les docteurs et chez les infirmières et le personnel. Il dit encore qu'il a mal, mais on ne sait pas s'il a mal. Alors ça a été de reprendre à la base, d'expliquer ce que c'était l'anémie falciforme, d'expliquer que ce n'était pas une maladie de noir. C'est vrai qu'il y a un fort pourcentage de noirs qui sont atteints parce qu'il y a beaucoup de noirs dans le monde. Il y a toute l'Afrique, l'Amérique, les États-Unis, l'Amérique du Nord, maintenant au Canada où il y a une grosse immigration noire, et des noirs canadiens, Ulysse étant un Canadien de naissance. Et alors, mais il faut penser qu'il y a aussi
des gens de l'Amérique du Sud, l'Afrique du Nord, ils peuvent avoir la limite assez fort, mais on a rencontré dehors Italiens, qui sont des Blancs, les gens du bord de la Méditerranée. Donc, déjà, ce n'était pas seulement une maladie de noir. Donc, ça forçait un préjugé. Ça forçait un préjugé et ça forçait que ces enfants-là n'avaient pas le potentiel, ces enfants, parce que je travaille avec les enfants, d'aller aussi loin que n'importe qui. Là, maintenant, la preuve est faite qu'avec les nouveaux médicaments, ils survivent. Donc, en survivant, ils font leur avenir comme tout le monde. Et le potentiel est là. Ils s'en vont en médecine, en génie, en droit. Et puis, beaucoup sont en communautaire parce qu'ils savent qu'ils peuvent aider. Donc, premièrement, découvrir l'anémie. Deuxièmement, ça s'est fait, il y a eu beaucoup d'avance aussi chez les docteurs. Comme je dis souvent, ça, c'est peut-être la plus grande réussite de ma vie, pas qu'on soit une anémie falciforme, de voir maintenant qui s'occupe d'anémie falciforme, ce soit des blancs aux yeux bleus. Et ces gens-là sont dévoués corps et âme à l'anémie falciforme et font beaucoup de recherches aussi pour trouver des traitements. Ulysse sait maintenant que les gens qui ont l'anémie falciforme ont une vie beaucoup moins et difficile que lui, il a eu beaucoup moins de crises. Les crises douloureuses sont beaucoup mieux traitées. Ouais. Donc, ça ouvre la vie et l'avenir à ces jeunes. Mm-hmm. Et c'est là que Ulysse, c'est là que tu te lances pour aider, puis pour dire aux jeunes qui ont l'anémie falciforme, t'es pas condamné. Il y en a qui finissent mal, il y en a qui ne font pas leur vie, mais en général, maintenant, tout leur est ouvert. C'est sûr que peut-être que l'étude qu'ils pourraient faire en 5 ans, ils vont le faire en 7 ans à cause de leurs nombreuses hospitalisations, mais l'avenir est devant. Alors là, c'est l'anémie falciforme. Alors, pour parler de moi, j'ai fait mes études de médecine en Haïti. J'ai laissé Haïti, j'ai fêté mes 23 ans ici. Donc, j'avais terminé mes études et je suis arrivée pour faire de la pédiatrie, comme je dis, parce que Haïti, la mortalité infantile était trop grande. Alors, je pense qu'il y avait un problème de la chaleur, il y avait un problème de pauvreté, de l'infection, d'eau potable. Il y avait bien des problèmes à régler en Haïti. Alors, quand finalement, à mon corps défendant, j'ai décidé de rester ici. J'ai dit, c'est bien de rester ici, mais ça me prend un créneau où je vais travailler et essayer de faire avancer et la médecine. Alors, après ma pédiatrie, j'ai fait 4 ans de pédiatrie à Sainte-Lucine. Ensuite, j'ai fait 1 an de dermatologie à Sainte-Lucine parce que j'étais pas encore canadienne. Parce que pour professer, peut-être canadien, moi j'arrive ici, je suis haïtienne, il faut que je me naturalise. Alors, la dernière année, j'ai fait de dermatologie, j'ai trouvé ça magnifique et j'ai adopté. Alors là, j'ai décidé de faire dermato en attendant que je devienne canadienne. Donc, j'ai continué mon dermatologie. J'étais à Maisonneuve faire dermatologie, j'ai été en France faire un stage. Et là, j'avais deux créneaux. J'avais bien entendu les cancers chez l'enfant, les leucémies. Ça fait partie de l'hématologie, toutes les autres anémies. Et là, j'ai dit, on va surtout se tourner vers l'anémie falciforme. Comme disait Ulysse, j'avais des liens. Je n'étais pas membre, mais j'avais des liens avec la société d'anémie falciforme anglophone du Canada. Et M. Sanon est arrivé. M. Sanon, c'est le président fondateur de l'Association d'anémie falciforme du Québec. Et lui, comment il s'est intéressé à l'anémie falciforme? Il y a eu 2 enfants qui ont l'anémie falciforme. Un qu'il a perdu en méningite. Et la deuxième qui a eu beaucoup d'épisodes d'anémie falciforme et qui finalement a eu une greffe de moelle. Ça a été le premier cas d'anémie falciforme greffé au Canada. Alors tout ça pour rejoindre mon évolution. Entre-temps, moi, dans les leucémies et les autres types d'anémie, la greffe de moelle est devenue un traitement incontournable. Ce traitement qui se faisait surtout à Seattle, c'est la mecque de l'anémie falciforme, la mecque de la greffe de moelle. Et ceux qui ont fait les premières greffes à Seattle ont eu le prix Nobel de médecine. C'est Storb et je ne me rappelle plus de l'autre. Alors, ils ont eu le prix Nobel. Et là, la première greffe de moelle arrive en avril 1980, chez une jeune fille de 13 ans, qui actuellement en a 53. La première greffée du Québec,
Et elle avait un autre type d'anémie qu'on appelle l'aplasie médulaire. Sa moelle était vide, elle était complètement desséchée. Et mon rêve, c'était de faire des greffes de moelle chez les patients ayant l'anémie falciforme. J'ai pas eu ce bonheur et cette chance parce que pour offrir une greffe de moelle à un enfant d'anémie falciforme, il faut que ce soit un frère ou une sœur qui n'ait pas la maladie, qui soit simplement porteur. Donc il y a un seul gène malade, c'est pas facile à trouver. Alors que les greffes de moelle dans les autres maladies peuvent être faites par, on peut avoir un donneur complètement étranger qui vient d'ailleurs dans le monde, mais ces greffes avec les étrangers donne des grosses complications. Et comme les patients d'anémie falciforme, Ulysse en est la preuve, peuvent vivre heureux et assez longtemps, on ne peut pas leur offrir un traitement qui est plus dangereux pour eux. Donc c'est trié sur le volet les cas d'anémie falciforme qui peuvent avoir une greffe et un donneur. Mais alors la fille de M. Sanon a été greffée et puis elle va merveilleusement bien, très impliquée dans l'anémie falciforme aussi, parce qu'elle est rendue ingénieure, je ne suis pas sûr, là, elle est une magnifique fille, c'est une réussite et ça va continuer. Mais est-ce que vous avez fait une greffe de moelle osseuse avec d'autres patients? Ah oui, j'en ai fait avec d'autres patients, oui, à l'heure de l'anémie falciforme. Oui. J'en ai fait environ 200. Environ 200, je ne sais pas combien d'années, parce que la greffe de moelle osseuse... Vous étiez la première personne qui a fait une greffe de moelle osseuse au Québec. Au Québec. Oui, c'est ça. Au Québec. Et alors, naturellement, on en a fait chez des cas d'aplasie médulaire, chez des enfants qui avaient des problèmes métaboliques, autres que les anémies, puis beaucoup chez les leucémies et les cancers. Alors, j'étais la première à la faire, et j'étais la seule, pas la seule à en faire, mais la seule à en faire chez l'enfant. Et je disais toujours, j'arriverai pas, je tiendrai pas le coup, parce que c'est presque des soins intensifs à temps complet. C'est sûr que les pédiatres de Maisonneuve-Rosemont, ça s'est fait à Maisonneuve-Rosemont. Les pédiatres de Maisonneuve-Rosemont m'ont beaucoup aidé, de même que les hématologues, mais ils étaient pas pédiatres. Alors, on essayait de faire un trio, et puis je voulais avoir quelqu'un pour en faire avec moi. J'en ai pas eu, et au moment de penser retraite dans les années 72, je pense, en 90, 92, la greffe de moelle de pédiatrique a été transférée, ce qui est logique et normal, à l'hôpital Sainte-Justine, qui est l'hôpital par excellence pour enfants et au Québec. Alors, dernièrement, au moment de la COVID, en mars 2020, ils devaient avoir leur 1000e greffe. Et j'ai été toute flattée quand le chef de Sainte-Justine, le chef d'hémato, Sainte-Justine m'a écrit un email me disant « Si elle a une 1000e, c'est qu'il y a eu une première. » Il voulait que je sois là, que je participe aux festivités. Et tout a été annulé, bien entendu, avec la COVID, bien entendu. Alors là, maintenant, l'unité de greffe de moelle osseuse chez l'enfant est à Sainte-Justine, tandis que Maisonneuve-Rosemont demeure la grande unité au Québec de greffe de moelle chez l'adulte, la normale en général. Ça a beaucoup évolué aussi, comme je dis, maintenant on peut faire des greffes avec des donneurs, j'en ai eu d'Israël, d'Allemagne, les infirmières partent et reviennent avec le greffon qui a l'air d'un sac de sang quand on regarde, mais c'est pas du sang, c'est de la moelle. Puis autrefois, pour le donneur, il fallait l'amener à la salle d'opération et faire des prélèvements réellement dans l'os. C'était très souffrant. Maintenant, les techniques ont évolué. On peut donner des produits pour stimuler la moelle à circuler dans le sang et le recueillir dans le sang. Donc, c'est beaucoup moins douloureux. On a beaucoup plus de donneurs parce que c'est moins douloureux. Dans votre carrière, comment vous avez vu comme l'espèce d'évolution de la stigmatisation d'anémie falciforme de votre temps jusqu'à aujourd'hui? Je vois maintenant que je n'ai pas répondu à une de tes questions. Je vais boucler la boucle en disant que quand je suis arrivée comme résidente, comment je me suis intégrée dans le milieu, comment j'ai fait mon petit chemin, j'ai toujours dit que on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Alors c'est surtout une certaine tolérance et puis créer des liens d'amitié et surtout de complicité avec les autres docteurs, et même avec les infirmières. Parce que tu arrives dans un milieu où tu es une femme noire,
immigrant dans un milieu qui est foncièrement blanc et masculin. Voilà, il te regarde avec des points d'interrogation. Et le point d'interrogation, c'est est-ce que c'est vrai qu'elle peut faire ça? Est-ce qu'elle est à la hauteur? Souvent, d'ailleurs, il y en a qui n'étaient pas, barrés, comme on dit en français, et qui disaient, vous êtes sûr que vous pouvez faire ça? On sentait le doute et le point d'interrogation. Mm-hmm. Alors, c'était manquer des points jusqu'à ce qu'à un moment, le dit, c'est vrai qu'elle est capable, et puis, ils t'adoptent. À ce moment-là, quand ils t'ont adopté, non seulement ils t'aiment, ils savent qu'ils ont besoin de toi, quand mm-hmm. tu réponds à des questions et que tu règles des problèmes qu'eux ne peuvent pas régler. Et à un moment donné, ils te mettent beaucoup de poids sur les épaules parce qu'ils disent, non seulement t'es bonne, t'es meilleure que nous, et on s'attend à beaucoup de tout, et puis il ne faut pas les décevoir. Ouais. C'est un peu ça. C'est foncer, mais tout en disant, vous êtes là, je vais vous aider. Puis quand à un moment donné, tu veux les aider, puis tu dis, ça, je peux le faire seul, parce que j'en ai déjà fait, ou bien dans ma tête, c'est comme ça que ça se fait. Puis là, ils disent, ah, ben. Et puis après, ils vont venir te poser des questions et te demander de les aider. Donc, c'est pas te rendre indispensable, nous n'être indispensable dans la vie, mais te rendre nécessaire et utile, et qu'ils sachent qu'en tout temps, tu es là et que tu peux les aider. C'est cette espèce de tolérance et de complicité. Puis petit à petit, là, puis j'étais comme une sœur pour eux autres. Une sœur, là, puis quand j'étais là, ils savaient qu'ils étaient bien, Yvette était là, qu'ils pouvaient compter sur. Mais tu n'avais pas eu de difficulté à t'intégrer quand tu es venu au Québec? Parce que c'était quand même la première génération d'immigrants. Mais là, c'est le tout début. Je suis encore étudiante. Okay. Là, il t'arrive et puis... Moi, je n'ose même pas le dire. Là, au début, j'avais des problèmes à comprendre le parler québécois, leur accent et les mots qu'ils utilisaient. Ouais. Mais ça a été vite parce que tu es jeune à ce moment-là. Tu es comme une éponge. Mm-hmm. Tu es comme une éponge et non seulement tu apprends à parler comme eux parce que déjà, en parlant comme eux, tu fais partie, tu es intégré. Ça a été les premières difficultés. Mais il faut savoir, moi, je venais d'Haïti, un pays où j'avais beaucoup appris au point de vue théorique. Là, j'arrivais et puis je pouvais me défendre devant n'importe qui, mais au point de vue pratique, au point de vue équipement, mm-hmm. les choses que j'avais jamais vues, ça n'existe en Haïti. Il y avait des maladies que j'avais jamais vues qui n'existent pas en Haïti. Il y avait de l'équipement que j'avais jamais vu. Mm-hmm. Mais ne pas avoir honte de dire, ça, je ne sais pas. Puis vous allez, l'infirmière qui est là, il faut savoir dire, non, ça, tu vas me dire comment ça marche. Mm-hmm. Puis ça, je pense que ça aide beaucoup, cette humilité-là, de ne pas arriver de dire, c'est moi le docteur, je vais tout régler. Mm-hmm. T'es là pour tout régler, mais il faut savoir que tu as besoin d'aide pour tout régler jusqu'à ce que tu finisses. Et puis, il y a un certain moment où tu peux être un petit peu plus discret, juste regarder comment ça se fait. C'est sûr qu'il y a eu beaucoup d'études, beaucoup de choses à voir. Je me rappelle, quand je suis arrivé comme résidente, alors étudiante, non, j'habitais Saint-Justine. J'avais presque pas d'amis au Canada, j'avais peur l'hiver comme n'importe quel haïtien. Alors, j'étais dans l'hôpital et puis les autres résidents, on habitait là, on mangeait le soir là, etc. Et puis on se parlait, puis il y en a un qui me dit, il y a quelqu'un qui est arrivé. Et moi, je dis, ah, j'ai jamais vu ça, je vais y aller avec toi, j'étais pas de garde. Mmh. Mais comme j'étais là dans ma chambre, je ne faisais rien. Et puis il y avait un de nos patrons, une immigrante aussi, qui aimait beaucoup les immigrants et les étrangers. Puis elle venait, c'est une femme seule, puis elle venait souvent à minuit faire la tournée des nouveaux cas. Elle venait, elle soupait, et puis elle venait à minuit. Mais souvent, on n'était pas de garde, les étrangers, on suivait la tournée. Alors ça veut dire que non seulement on apprenait, mais même les soirs où on n'était pas de garde, on avait la chance d'apprendre quand même. Et les résidents entre nous, quand on recevait un cas qu'on n'avait jamais vu, ils me disaient, il y a quelque chose qui vient d'arriver, tu n'as jamais vu ça, viens voir. Okay. Et puis, plus ça va, plus on apprenait. C'est une soif d'apprendre dans un contexte où on n'a pas, j'avais pas d'enfant, j'avais pas de mari, j'habitais seul dans une chambre à Sainte-Justine. Et puis parfois on sortait, je me rappelle, le samedi soir, le samedi quand j'étais pas de garde, à 1h de l'après-midi, on sortait pour revenir. Vous n'avez pas connu ça trop jeune, on avait deux films pour 99 sous. Puis on allait chez Dan Giovanni, je me rappelle du nom, on avait un spaghetti pour 1$. Je chantais, j'avais pas 5$ dans mes poches. Là. Il fallait prendre l'autobus et je revenais après. De 1h à je rentrais à 9h du soir, j'avais acheté une presse et peut-être une paire de collants. Puis c'était ça. Mais j'étais passé dans tous les magasins. On découvrait le pays comme ça. C'est bien. Le choc d'intégration pour vous, ça a été comment?
Moi, j'étais parmi les premières arrivées, mais il y avait déjà quelques Haïtiens qui étaient là, qui pouvaient nous guider, nous dire non, ça, tu ne fais pas ça comme ça, ça, tu ne dis pas. Et je dois rendre hommage aux Québécois, je ne les connais pas tous, mais les Québécois, qui, à ce moment-là, il y avait beaucoup d'étrangers, beaucoup de Libanais et Haïtiens, avec le rare asiatique, mais les Québécois qui étaient là étaient très, très ouverts. Et puis, ils nous recevaient bien, puis c'était comme des amis, et ils nous ont beaucoup guidés. Okay. Je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de préjugés, mais dans la gang, on s'entendait. Au début, l'intégration était beaucoup plus facile, parce qu'ils n'étaient pas nombreux à cette époque. Voilà, on était un peu la curiosité. Oui. Haïti, ça se trouve où? Dans quelle partie de l'Afrique? Est-ce que, on est arrivé avec des petits simples, là, des boucles d'oreilles. Est-ce que c'est dans quelle tribu ils faisaient ça? Il y avait des questions impossibles, mais c'était comme... On était une curiosité, mais il n'y avait rien de... C'était pas méchant. C'était pas méchant. Et puis, on n'était pas menaçant, parce qu'on n'était pas nombreux. C'est bien ça. Je sais que vous êtes quand même quelqu'un de très humble. Vous avez reçu beaucoup de prix, par exemple. Je sais que vous avez reçu un prix du gouverneur général Michael Jean. Je ne me rappelle pas pour... je sais que c'est par rapport à la médecine, mais est-ce que vous pouvez parler un peu de ça? Alors, non, ça, tu arrives ici, tu veux faire ta place, tu veux t'intégrer, et puis tu veux, c'est sûr que tu ne veux pas qu'on dise les Haïtiens ils savent rien, et puis ils viennent nous déranger, alors on veut toujours performer. Alors tout ça se fait, la vie est bien tranquille, puis bingo, à un moment donné, j'ai eu des prix pour lesquels je suis très fier d'ailleurs, des prix dans le milieu haïtien, des groupes d'haïtiens, les médecins haïtiens, ça a commencé par là, les médecins haïtiens, il y a eu des prix dans la communauté haïtienne, et à un moment donné, je ne sais pas dans quel ordre, c'est ça, 99, et quelqu'un m'appelle, et puis il me dit, c'est un prix qui donnait en Haïti. Bizarre, c'était Préval qui était président. Alors, il en donnait trois. On n'était pas nombreux. Il y avait deux docs et un professeur. Puis moi, à ce moment-là, j'étais en plein déménagement. Mes affaires étaient comme dans un dépôt, dans un entrepôt. Et puis mon mari, je lui ai dit, garde mon passeport. Parce que je ne suis pas canadienne de naissance si j'ai besoin de mon passeport. Mais le passeport était comme dans une espèce de coffre-fort, un classeur. Et c'est la dernière affaire qu'on a sortie de la maison. Alors quand on est venu pour remplir l'entrepôt, c'est le premier qui a été au fond et tout était en avant. Puis ils me disent qu'il y avait une fête de une semaine de la diaspora en Haïti. Puis ils me disent on va vous donner un prix en Haïti, le président. Puis il a dit, j'ai pas de passeport. Il me dit ça une semaine d'intervalle. Et j'ai eu un passeport dans 4 heures de temps. On n'est pas en 2022. 4 heures de temps, j'étais le matin. Et puis dans l'après-midi, j'avais mon passeport. Alors j'ai eu le prix, j'ai été nommé chevalier de l'ordre d'Haïti. C'était le premier prix. Après ça, ça a été l'ordre national du Québec. OK. Alors ça, c'était Charest. Okay, ouais. Et avec Charest, puis c'est ensuite que j'ai eu, je pense que c'est 2007, c'est Michael Jean en tant que gouverneur général, mais c'est l'Ordre du Canada. Okay. Puis après ça, là, les prix, là, j'ai eu là, le jubilé d'argent, de la reine. Ouais. Et puis après ça, il faut pas que j'oublie les prix haïtiens, parce que je pense qu'ils sont peut-être plus chers à mon cœur, parce que c'est mon pays qui dit, tiens, même si t'es pas là, t'en as fait beaucoup, le consulat d'Haïti, ils avaient un prix qui donnait un homme, une vie. Mm-hmm. Ma père, il dit, vous avez été choisi pour avoir... C'était la deuxième fois qu'il le donnait. Le premier, c'était la Ferrière, devenu académicien. Il me dit, vous allez avoir un prix, un homme, une vie. Je dis, non, j'en veux pas. Là, ils étaient plus choqués. Il dit, non, un homme, c'est une vie. Il dit, c'est le nom du prix. Je dis, non, je veux pas avoir un prix, un homme, une vie. Et ils l'ont appelé une femme, une vie. Il dit, non, une femme, une vie. C'est bien. Alors, c'est à peu près ça. Puis j'ai eu, le prix, peut-être le seul plus fier, c'est le prix de maison d'œuvre. Mm-hmm. Le premier prix, c'était toujours la première fois, c'est la première fois qu'il donnait un prix pour l'ensemble de ma carrière, le médecin de maison d'œuvre. C'était la première fois qu'il donnait, je pense. Est-ce qu'ils vous ont donné une plaque, quelque chose à maison d'œuvre? Il est là, je ne peux pas. Il est là, le transparent qui est là. Qu'est-ce qui est marqué dessus? Je ne m'en souviens pas, là. Mais, tu veux me le donner, on va le voir, c'est prix reconnaissance conseil 2006 des conseils des médecins, dentistes et pharmaciens
Et bien, pour l'ensemble de votre carrière, docteur Yvette Bonnet. Ouais, merci. Alors, j'ai fait le tour. Oui, pratiquement. J'ai fait le tour des prix, là, on n'en parle plus. Bon, dernière chose pour conclure, parlez un peu de votre vie personnelle. Comment que, je sais que vous êtes marié, vous avez des enfants. Parlez un peu de votre vie personnelle. Comment ça a été pour vous? Comme je disais l'autre jour, là, à l'époque, la médecine, ça remplit une vie. Tu le sais, là, j'étais tout, presque. Là, les gens me disaient toujours, j'ai dit, là, Ulysse a un problème, là, il faut que je le voie, j'ai promis à sa mère de ne pas le voir. Il dit, il est tard, vous n'êtes pas. Voulez-vous voir mon enfant aussi? On dirait que je recommençais à la tournée le soir. Alors, c'était des journées interminables. Alors, en partant d'Haïti, il y avait deux choses. En partant d'Haïti, j'ai dit, je ne veux pas changer le nom, je veux rester docteur Bonnet. J'ai dit, à Marien, je vais changer. Non, je ne me marie pas. Puis, deuxièmement, j'ai dit, marier une maison, des enfants, un mari. J'ai pas de temps pour ça. Parce que je rentrais quand j'étais tard, je repartais tôt. Une fois, j'ai fait 24 heures à l'hôpital, j'ai vu des gens que j'avais vus la veille. Alors, j'ai dit, non, je pense que c'est pas une vie à donner à quelqu'un. Mais là, on est en 69-70, je commence à être patron. Là, c'est sûr que tu n'es plus maître de toi. Là. J'ai des temps libres le soir. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, comme j'avais pris des cours de piano en Haïti, je vais recommencer le piano. Je prends des cours de piano. Puis, là, chercher quelque chose à faire d'autre que la médecine, parce que ma mère me disait toujours, toi, tu devrais apprendre quelque chose d'autre, là, parce qu'un jour, tu vas arriver dans un salon et puis tu vas parler juste de médecine. Il faudrait que tu ouvres ton cerveau, augmenter ma culture. Et puis là j'ai dit, bon, c'est peut-être le temps de penser et mari, enfant. Et puis j'ai rencontré ce monsieur-là, Pierre Gadebois, qui était un gars, comme je le dis, qui travaillait pour l'immigration. Non, à ce moment-là, il n'était pas en immigration, parce qu'on dit toujours, il pense toujours que c'est lui qui m'a fait rentrer. Il était, je ne me souviens pas en quoi quand je l'ai rencontré, ce n'était pas l'immigration. Il travaillait pour le Québec. Et il était parti du fédéral au Québec et puis là, il est retourné au fédéral en trois immigration. Puis on s'est mariés rapidement, on n'était pas des genoux. On s'est mariés en 73 et madame, ma fille, est arrivée en 75. Alors comme je dis, on dit toujours, c'était quoi le travail de ton mari? J'ai dit, son travail, c'était d'attendre sa femme. Alors, lui, c'est un Canadien, ça soupe à 17h. J'ai dit, non, c'est impossible. Alors finalement, on a négocié 18h. 18h, j'étais jamais là. Alors, après ça, on a négocié 19h. Et à 19h, je l'appelais, j'ai dit, ou tu m'attends, il dit non, je ne t'attends plus là. Il dit bon, mets mon repas dans le four à micro-ondes et puis j'arrivais. Puis c'est sûr que lui a été plus la mère et le père de Nathalie. Lui avait coutume de dire qu'il était la femme du docteur. Alors là on est resté, on était dans notre 38e année quand il est décédé de vieillesse et de maladie parce qu'il était plus vieux que moi. Alors moi, là, j'allais prendre ma retraite. On était en 2010, je crois. Il va enfin avoir une femme, savoir ce que c'est d'avoir une femme. Mais ça, c'est l'homme propose, Dieu dispose. Et comme il est décédé, là, j'ai continué à travailler. Parce que j'ai dit, en 2010, j'avais fait le deuil du mari. C'était le tremblement de terre en Haïti, le deuil du pays. J'ai dit, je ne fais pas le deuil du travail en même temps, c'est trop. Alors, j'ai travaillé encore quelques années. Puis finalement, j'ai pris ma retraite en 2015. Ça allait faire 45 ans. Entre 2010 et 2015, vous étiez là plus en temps partiel? C'est ça, j'étais plus à temps partiel parce que la grève de moelle était partie. Okay. Donc, immédiatement, quand la grève de moelle est partie, c'était plus facile de faire un temps partiel parce qu'il y avait moins, j'étais moins sollicité. Alors, j'avais arrêté de faire les cancers et les leucémies. C'était la période où je me suis lancé à 100% dans l'anémie falciforme parce que à l'époque, c'était dans ces années-là qu'on a décidé, à Maisonneuve et dans le Québec, de faire, c'était le ministre Bonduc, de faire le test de dépistage de l'anémie falciforme à tout nouveau-né. Au début, ils ont dit on va aller faire aux étrangers, les noirs, c'était pas du tout pour aux infirmières, il y a des enfants qui naissent blancs, qui ont l'air blanc, qui ont des gènes de noirs ou de latino-américains. Maintenant, c'est accepté au Québec, et je pense que c'est au Canada, c'est Toronto qui a commencé d'ailleurs, de faire le test chez tous les enfants qui naissent, comme les autres tests qu'ils font pour les nouveau-nés. Et ceci, ça a changé l'évolution aussi parce que
l'anémie falciforme, plus le diagnostic est fait tôt, meilleur est le traitement, meilleur est l'avenir de l'enfant. Avant, les gens arrivaient à 5 ans, 7 ans, ils avaient eu toutes les crises que personne n'avait identifiées, tandis que maintenant, tout, c'est fait de routine. Et, dans mon époque, on le faisait au père et mère au moment où ils décidaient d'avoir un enfant, mariage ou pas. Là. Mais là, maintenant, c'est fait chez les bébés. C'est sûr que les gens peuvent planifier. Par exemple, toi, vous êtes quatre avec l'anémie falciforme. C'est sûr que si ta mère et ton père le savaient, ils en auraient eu quatre quand même, mais en connaissance de cause. Ouais. Ça, parce que maintenant, les gens planifient. J'ai deux enfants, puis j'en ferai pas un troisième. Parce que vous autres, votre famille, c'est une famille un peu au record. Là, parce que normalement, c'est 50%. Mm-hmm. Alors, c'est à peu près 2 sur 4. À 5, vous devriez en avoir 2, 3 au max, et vous étiez 4. Ouais. Alors, depuis ce temps-là, là, j'ai pris ma retraite en 2015. Non, pas 2015. Vendredi 13 décembre 2013. Est-ce que vous avez toujours continué à travailler raisonnablement mari, enfant et la polyclinique? Oui, jusqu'à la fin. La polyclinique jusqu'à la fin. Mari, enfant, ça avait fermé, mais ce n'était pas ma clinique, c'était la clinique de Maisonneuve qui avait été à mari, enfant, qui a été rapatriée à Rosemont. Oh. Donc, j'ai continué à faire mes cliniques à Rosemont. La poly, et puis j'y allais trois fois par semaine, et puis à ce moment-là, ils ont trouvé une, il ne faut pas dire le mot remplaçante, un successeur. Mm-hmm. J'ai travaillé avec elle 2 ans, et finalement, elle m'a remplacé, mais elle non plus, elle ne fait pas de greffe de moi, elle ne fait pas de cancer et de leucémie, mais elle s'occupe. Là, elle est comme une pro à la limite. Okay. C'est quoi le nom de ce docteur-là? Tu dis? C'est quoi le nom du docteur? Docteur Anne-Marie Vincent. Anne-Marie. C'est ça. Okay. Alors, puis de ça fait que je suis à la retraite depuis le vendredi 13 décembre. J'ai choisi ma date pour ne pas l'oublier. Donc, je dis vendredi 13 décembre 2013 à 13h13. Oh, wow! Donc, j'étais à la farce à 13h13. Je suis parti, mais je suis revenu, je n'avais pas fini ma journée. Alors j'ai continué, j'ai gardé la maison jusqu'en 2015 et puis je suis rentré ici dans une maison. Il vit toujours moi. C'est la dernière qui a pris, c'est la première qui a été, la dernière à prendre sa retraite, la première à aller en maison pour personnage. Okay. Alors, je suis arrivé ici en août 2015. Maintenant, vous avez quel âge? Ah mon Dieu, je le dis-tu là? Ce qu'on dit, c'est 84. 84? Ah, c'est pas jeune ça? Non, mais c'est j'ai pris ma retraite à 75. À 75 ans? Mm-hmm. Okay. C'est vieux ça, c'est très vieux. Mais c'est bien, c'est pas une question de vieux, c'est une question de comment... J'avais comment encore le courage et le goût. Exactement, puis ça vous garde, jeune, ça vous garde active, ça vous permet de vous continuer à vivre. Ça me garde utile. Oui. Ça me garde utile, je peux aider. Mm-hmm. Au début, les gens m'appelaient encore. Mais j'ai encore des patients qui, de temps en temps, il y en a qui font des démarches avec le collège, puis qui me rappellent, et puis on garde le contact, on m'envoie des petits mots. Je vais manger avec certains. Non, j'ai encore des contacts avec des patients et des parents de patients. Est-ce que vous avez toujours contact avec les docteurs de la clinique? À l'époque, il y avait, à mon époque, quand moi j'étais encore à la clinique, il y avait Dr Fish, Dr Boileau. Oui. Il y avait un docteur, une femme. Une femme en hémato? Oui. Cassis? Oui. Je n'ai pas des contacts réguliers avec eux, mais quand ils font, par exemple, le docteur Boileau a pris sa retraite. Quand ils ont fait la fête pour alors ils m'ont invité, là, j'ai revu tout mon monde. Docteur Fish, ça fait longtemps que je l'ai perdu de vue, mais souvent, je rencontre d'autres personnes. Je dis, docteur Fish demandait de vos nouvelles, mais ça fait longtemps. Parce que lui, il est moins présent à Maisonneuve, il est plus à l'Institut de cardiologie. Okay. Et ça, il y a comme, parce qu'il est très bon, il est très bon, c'était le directeur de la banque de sang, et c'est sa sous-spécialité. Et qu'est-ce que tu as dit? Fish, Boileau, il y en a... Cassis. Janine, elle va bien. Les derniers contacts qu'on a eus, c'est toujours des contacts quand il y a un événement. C'était le décès de sa mère. Alors, on s'est parlé, puis on s'est vu à la réunion pour le... Ça fait pas longtemps qu'il a pris sa retraite, docteur. Voilà. Quel conseil ou quel message que vous pouvez donner à quelqu'un qui nous regarde aujourd'hui par rapport à l'anémie falciforme? Le plus grand message, c'est de suivre l'exemple du Lys. je dis ça, c'est pas pour rire. T'es un beau porte-parole et puis t'es un beau témoignage. Alors, je pense que l'anémie falciforme, c'est une maladie parmi tant d'autres. Qu'on a découvert, et puis on ne peut pas dire qu'on l'a contrôlé parce qu'on n'a pas encore un traitement qui guérit, mais les traitements ont beaucoup évolué. Alors, surtout,
vous ne vous découragez pas. Sachez qu'il y a pire que ça dans l'anémie falciforme. C'est un diagnostic, mais vous n'êtes pas un cas d'anémie falciforme. Vous êtes un être humain qui a l'anémie falciforme, mais qui peut se développer et s'épanouir en dehors, malgré et en dehors de l'anémie falciforme. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci à toi de m'avoir invité.